immensa. Ma la direm basta de romenza. Gelem, gelem, lungo dentro mensa. Cigane français, en terre internée dans les camps entre 1940 et 1946, a été sans précédent. C'est dans l'indifférence générale que l'internement des Tziganes se déroula en France. Contrairement à d'autres communautés qui ont trouvé à leur côté des aides efficaces, les Justes de France, les représentants du clergé, qui étaient un bien pour eux et que justice. Mais cela peut s'expliquer par ceci. Alors que les membres de la communauté de confession israélite étaient bien intégrés, qui pouvait dire qu'il connaissait un Tzigane, ou tout au moins son nom? Il a fallu attendre les années 1970 pour que des travaux sur l'histoire du régime de Vichy soient engagés concernant le sort qui avait été réservé à nos populations. Plusieurs milliers de Tziganes furent internés dans les camps, dont certains furent spécifiquement créés pour eux. Ribzalt, Salier, Noé, Montreuil-Bellé, etc. Parmi le nombre de Tziganes internés à Auschwitz, 145 Français ont pu être recensés. Comment? Personne ne peut le dire. Car pour le régime de Vichy et nazi, brun, peau bronzée, petite moustache, cheveux très longs pour les femmes, ce ne pouvait être des Bretons, mais bel et bien des Tziganes. Et même un convoi en 1944, dénommé convoi Z, avait été affrété pour transporter tous ceux qui avaient été désignés Tziganes. Sur ordre d'Himmler, en 1943, dans les départements du Nord-Pas-de-Calais et Pas-de-Calais et en Belgique, les deux départements français précités étaient rattachés au commandement militaire de Belgique. Des familles entières furent raflées, puis conduites à Malines, en Belgique, à la caserne d'Ossin, puis déportées à Auschwitz. Les anciens nous ont répété, nous avions des roulottes et des chevaux, ils sont venus avec des camions, ils nous ont entassés à l'intérieur et conduits à Malines. On est resté longtemps, très malheureux, on souffrait de faim, de soif. Nous ne savions pas quoi faire. Ils nous mettaient au bout d'une table et ils nous battaient avec des bouts de bois et des fouets. Ce témoignage de Paprika Galut, survivante du convoi Z, a été recueilli par l'historienne Marie-Christine Hubert. Paprika a été interpellée le 23 décembre 1943 à Enalieta, actuellement Enabolmou. Elle avait 18 ans. Un autre témoignage, celui d'Antoine Lagraine, recueilli par Monique Hennebeau en 2005, signale le départ du convoi Z de Malines avec 351 Tziganes de diverses nationalités capturés en France, Belgique et Hollande. Il y avait 50 personnes par wagon. Le voyage avait duré 3 ou 4 jours. Avec de nombreux arrêts, et nous descendions dans les salles sans chauffage, nus, pour éviter que l'on s'échappe. Le destin d'un prénommé Toloche est emblématique du drame vécu par les Tziganes à cette époque, et son parcours reconstitué par Jacques Sigaud inspirait le scénario du film de Tony Gatliffe, Liberté. De ce convoi Z, seule une dizaine de rescapés rentreront après la guerre. Cette liste des témoignages, devenue à ce jour non exhaustive, nous pousse à mettre tout en œuvre et nous conforte dans les désirs de voir reconnu le serment d'Alipen, meurtre collectif total, et qu'enfin nos populations puissent commémorer un jour précis nos anciens morts dans les camps, et que la négation de notre génocide, comme de tous les génocides, soit juridiquement punie. Merci. Ah, Romalen. Ah, via, Chavalen. A la Bolivia. La que carejaca. Si Google Sardus Garedraca a la Boliv la de Galeriaca Casi Google Sardus Galedraca.
les atrocités de ce peuple nazi. Ils furent assassinés par centaines, par milliers, dans ces camps de la mort qu'on ne peut oublier.